Damien, viens, je trouvais quelque chose. C'est pas nos voitures interdites. Un message. Alors, prochain moyen de transport, la marche à pied. Je vous attends au prochain village, en bas de la colline. Bonne chance à tous, Stéphane. D'accord. On a l'air d'être les premiers, donc on va profiter pour se présenter un petit peu, présenter notre binôme. Donc bonjour, moi je me présente, je m'appelle Jordan, j'ai 20 ans. Donc moi je pratique un peu de musculation, un peu de course à pied, de vélo. Donc je viens d'être diplômé de BTS en maintenance industrielle, avec Damien d'ailleurs, donc on se connaît grâce à ça. Donc c'est Damien, pareil, il y a 20 ans, je fais un peu de triathlon, un peu de musculation. Et la même chose, on a eu le BTS maintenant cette année ensemble. Du coup là on est prêt pour Pékin Express. Donc voilà, donc si je devais donner le principal défaut de Damien, Damien il est pas très doué pour tout ce qui est la réflexion, on va dire. Par exemple Damien 6x6. Mais par contre, sur le, tout ce qui est qualité physique et savoir se repérer, voilà, bien, c'est son principal atout. Jordan, son principal défaut, c'est l'orientation. Lui, il est perdu de partout, n'importe où, même ici, il est perdu. Par contre, il a un avantage, c'est le physique, il est endurant, intelligence et ouais, tout ce qui est maths, par contre, pas mal. Donc voilà, on a un binôme assez complémentaire, ça fait maintenant 6 ans qu'on se connaît. À l'aide des cours, justement, on vient d'obtenir tous les deux notre BTS en maintenance industrielle. On s'est déjà lancé plusieurs défis physiques ensemble, notamment une course d'obstacles, tout ça. Voilà. Donc en fait, là, on veut se lancer un nouveau défi qui nous permettra de tester notre amitié. Un défi sur une longue durée, donc voilà, Pékin Express, ça tombait parfaitement. Ça va visiter, on est là, du coup, je pense qu'on est pas mal. On est prêt physiquement, et là, je pense que ça va être Pékin Express, c'est pour nous. On a déjà réalisé beaucoup de voyages ensemble, l'Indonésie, on en a encore plein d'autres de prévus. Donc voilà, on a une forte amitié, donc ça sera le moyen de se tester. On s'est parlé anglais aussi. Ça va le faire. Ah, je crois que... Stéphane, on arrive, on se rejoint sur Pékin Express.